sur la tempe. On est venu pour les pendre. Tous les jours, je fais les 100 pas. Quotidien rippé par minimum 5 pas. Normal qu'on déteste les pores. Un canon sur la tempe. On est venu pour les pendre. Un canon sur la tempe. On est venu pour les pendre. C'est les condés que je vois tous les jours. Prêt à tempête, j'ai les yeux. Salut tout le monde, c'est Squala, juste avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser si c'est pas moi qui a fait le gameplay, enfin bref, ça change rien pour vous, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est NK, sa chaîne est tout simplement en description, n'hésitez pas à vous abonner en force à lui, il vient de reprendre, il vient de commencer YouTube, voilà, je compte sur vous, bref, le lien du mode menu est en description, et je vous montre tout de suite comment l'installer, c'est parti, bonne vidéo. Donc là, une fois que vous avez le mode menu, que vous avez été tout simplement téléchargé grâce au lien dans la description, vous faites clic droit dessus, vous faites extraire ici, là il y aura trois dossiers. Et après, ça sera le dossier tout en haut, Onizuka, qui se surnomme bah, Onizuka. Vous devrez le démarrer, tout simplement. Donc là, je vous fais voir dans le jeu, comme quoi je suis bien dans le jeu. Faut bien lancer le jeu avant. Là, vous retournez. Bon, là, j'ai pas pu faire voir, mais j'ai bien cliqué sur le dossier Onizuka, donc le premier. Vous attendez, ça va mettre Inject, enfin Onizuka Inject. Et une fois que c'est fait, vous retournez sur GTA. Pour l'ouvrir, c'est la touche F9. Donc voilà, c'est F9, tout le monde peut le faire. Donc voilà, vous faites la touche F9, de toute façon c'est marqué en haut à gauche. Et moi je vous laisse en accéléré et en musique pour vous présenter le mode menu. C'était Squala, allez ciao. Oxy.